directrice des programmes et du recrutement à Kedge Business School. Le format de l'entretien est de 30 minutes en présence de deux jurés. L'entretien repose sur un jeu de 5 cartes que nous appelons le révélateur. Il faut réfléchir à comment se présenter de manière différenciante en collectant des exemples précis qui viennent étayer vos propos. Quel que soit le sujet que vous aborderez, il est important d'illustrer vos propos par des éléments concrets, des chiffres, des références, des lectures. Vous devez vous présenter de manière articulée, synthétique et originale, afin de permettre au jury d'identifier rapidement les atouts et les forces de votre candidature. Dans le cadre de l'entretien Kedge, la carte autoportrait sert de support pour présenter en 3 minutes les faits saillants de votre parcours et de votre profil. Chaque carte autoportrait vous propose un mot qui vous invite à orienter votre propos vers une expérience particulière. Parmi les questions les plus fréquentes, ce sont celles qui concernent l'école. Les jurés cherchent à savoir si vous connaissez bien l'école et pour quelles raisons vous souhaitez la rejoindre. S'inventer des expériences que vous n'avez pas réalisées. Il faut avoir réfléchi à un projet professionnel sans qu'il soit très précis. Mais y réfléchir en termes de secteur d'activité, de fonctions d'entreprise ou d'organisation dans lesquelles vous aimeriez travailler. Le jury se compose d'un président, un membre du staff de l'école et un co-juré, qui est le plus souvent un diplômé de l'école. Il est nécessaire d'adopter les codes vestimentaires du monde professionnel, mais sans s'interdire une touche plus personnelle, dans le choix des couleurs notamment. Si les jurés vous invitent à leur poser une question, vous pouvez le faire, mais attention au type de questions que vous allez leur poser. Il est toujours possible de visiter le campus et il est même fort recommandé de le faire. Un conseil, rendez-vous sur le site admissible de Kedge pour vous entraîner à l'aide du jeu de cartes Le Révélateur dans sa version digitale. C'est une excellente façon de s'entraîner à l'entretien de Kedge et aux autres entretiens.